Salut à tous, c'est Steven et je vous avais déjà parlé des meilleurs micros, des meilleures caméras que je vous conseillais pour faire de la vidéo sur internet suivant le type de vidéo que vous voulez faire. Il manquait quand même quelque chose de très important, d'essentiel à ce trio magique et c'est la lumière. On va en parler aujourd'hui et je vais vous parler du système que moi j'utilise. L'erreur que beaucoup de gens font et que j'ai fait aussi, c'est de dépenser une grosse partie du budget dans la caméra et avec le peu qui reste, acheter un peu de lumière pour une centaine d'euros en se disant « bah c'est pas grave, ça fera le job, de toute façon j'ai une super caméra ». L'image que vous voyez en ce moment, elle est filmée avec boîtier plus objectif, il y en a pour plus de 1000 euros, ça filme en 4K, la totale. Mais niveau éclairage par contre, c'est zéro. J'ai simplement une petite lampe ici, une fenêtre, mon éclairage au plafond et c'est tout. C'est vraiment un mauvais éclairage. Vous voyez que j'ai une partie du visage complètement sombre, l'autre un petit peu plus éclairée. C'est pas une image agréable à regarder, pourtant j'ai mis le budget dans la caméra. Et là maintenant j'ai fait l'inverse. Au lieu de mettre 1000 euros dans la caméra et 20 balles dans l'éclairage, j'ai mis le paquet sur la lumière, j'utilise l'éclairage dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, et pour la caméra j'utilise tout simplement un smartphone. Et pour ceux qui pensent que j'utilise un iPhone à plus de 1000 euros, pas du tout. Je filme avec le Honor 7X, un smartphone qui vaut 250 euros, pas plus. J'imagine que si vous faites de la vidéo, vous avez au moins ça comme caméra. Donc voilà, ça vous donne une idée du résultat d'image que l'on peut obtenir en utilisant un smartphone tout ce qu'il y a de plus banal. Un smartphone vraiment entrée de gamme avec de faibles performances en vidéo, mais avec un bon éclairage. Là, ma lumière est bonne, mon son est bon, mon image est correcte et c'est suffisant pour une diffusion sur internet. Donc vous comprenez à quel point la lumière c'est important. Et maintenant, imaginez cette lumière avec une super caméra. Là, le résultat va être génial. De la lumière, j'en ai beaucoup testé ces dernières années. Je cherchais vraiment quelque chose qui me correspondait, qui me permettrait d'évoluer en vidéo avec un bien meilleur éclairage. Et j'ai d'abord fait l'erreur que tout le monde fait, hein, acheter de la lumière pas trop chère en me disant « bah ça va faire l'affaire ». Et finalement, ça dure pas trop dans le temps ou alors on est limité. Et y a pas de secret, de la bonne lumière, de la lumière qui va être vraiment qualitative, ça coûte de l'argent. Ça m'a mis du temps, mais j'ai enfin trouvé. Voilà, c'est ce gros panneau LED d'une société qui s'appelle Falcon Eyes. Ils sont spécialisés dans l'éclairage vidéo, donc c'est pas des rigolos. Ils font du matériel sérieux qui va durer dans le temps. Et voilà, j'en suis très très content. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ça. Alors oui, hein, il est assez énorme, 68 cm de large, d'où son nom, SO68TD. Le TD étant tout simplement pour tungstène daylight, puisqu'on va pouvoir modifier la couleur de température. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard dans le reste de la vidéo. La qualité de fabrication est excellente. Tout est en métal, donc évidemment, vu la taille du panneau, ça pèse quand même son poids. Hein, je pense qu'on n'est pas loin des 10 kg, donc il faudra évidemment un pied sérieux en dessous, capable de supporter une telle charge. Évitez les petits trépieds basiques à 50 euros sur Amazon. Moi, je me risquerais pas à mettre un tel poids dessus et j'ai investi dans un bon trépied. De toute façon, ça durera dans le temps, c'est pas un problème. Bon, mais du coup, pourquoi est-ce que je la trouve aussi géniale, cette lumière? Et déjà, tout simplement parce que le panneau est inclinable. Je peux, par exemple, diriger ma lumière vers le haut si je ne veux pas éclairer frontalement mon sujet, mais plutôt faire une réflexion contre mon plafond blanc et avoir une lumière plus diffuse. On peut, par exemple, l'utiliser comme ça, ou alors faire un éclairage vers le bas si je veux tout simplement éclairer ce que j'ai à filmer de haut pour avoir une lumière un petit peu différente que quelque chose, encore une fois, qui viendrait de face. Bon, tout ça, c'est bien sympa, mais surtout, surtout, ce qui fait que j'adore cette lumière, c'est qu'elle me donne un éclairage très doux, parfait pour l'éclairage d'un visage. Là, je l'utilise et vous voyez le résultat que ça donne lorsque l'on s'en sert correctement. Pas une ombre, pas une partie complètement surexposée. Et pourtant, là, je tourne de nuit. On est mercredi soir, il fait nuit. J'utilise cette lumière et pourtant, vous voyez que j'ai pas l'impression d'avoir un spot en face de la figure qui m'éclaire totalement. On a vraiment l'impression que je tourne en pleine journée. Bien s'éclairer, c'est loin d'être évident. Il suffit pas de se mettre plein de lumière face à la figure et hop, c'est bon, je vais être éclairé correctement. Non, on peut très vite se retrouver complètement surexposé et l'effet est tout aussi dégueulasse que si on n'avait pas de lumière. Et c'est ça l'erreur que beaucoup font, notamment ceux qui utilisent ces ring lights que personnellement je recommande pas si vous débutez. Je le vois tout de suite, ceux qui font des vidéos et qui utilisent ce système ou alors un truc similaire. Ils ont toujours une partie du visage complètement cramée parce qu'ils mettent la lumière face à eux. C'est un éclairage direct, sans aucune diffusion, et ça donne une lumière qui est absolument pas douce du tout. De toute façon, pour avoir un éclairage doux, il n'y a pas de secret, hein. Il faut une source de lumière qui va traverser différentes couches de diffusion séparées les unes des autres. C'est ce que propose Aputure, par exemple, avec son Light Dome. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En ce moment, ils en donnent à pas mal de
youtubeurs pour en faire la pub, et c'est une solution géniale mais qui prend une place énorme. Pour les gens comme moi qui n'ont pas un studio photo ou un studio vidéo et qui tournent tout simplement dans leur appartement, qui ont peu de place, bah je trouve ça pas du tout pratique, et c'est pour ça que je vais largement préférer une solution comme celle que j'utilise. Le gain de place est incontestable, le panneau est super fin, si je vous mets mon iPhone, vous voyez que c'est quasiment la même épaisseur, et pourtant on obtient une qualité d'éclairage très proche des solutions beaucoup plus encombrantes. Le système qu'ils utilisent, il est très intelligent, puisqu'évidemment on va avoir toute une flopée de LED sur le panneau, mais bah, vous voyez que vous ne les voyez pas ces LED, elles ne sont pas dirigées vers l'avant, mais vers l'intérieur, et lorsqu'on allume la lumière, en fait ce qui va se passer, c'est que cette lumière va être envoyée vers l'intérieur, elle va être réfléchie contre le réflecteur qui se trouve au fond, et va ensuite ressortir en passant à travers le diffuseur qui se trouve ici sur la face avant. Et le résultat, et bah, il est excellent, et d'habitude on ne peut l'obtenir qu'avec des systèmes beaucoup plus encombrants. Donc voilà, moi c'est vraiment parfait pour mon utilisation que j'en fais, c'est pile poil ce qu'il me fallait. En plus de ça, au dos, on va retrouver la zone de contrôle. C'est tactile, et on va pouvoir modifier l'intensité lumineuse. C'est très pratique de pouvoir régler ça manuellement au lieu d'être limité par une intensité fixe comme tous les éclairages entrée de gamme. Donc c'est quand même très puissant comme éclairage, là encore il est qu'à 75% de ses capacités, et pour tout vous avouer, je l'utilise rarement à 100%, sauf lorsque je le mets très loin de moi ou que j'ai vraiment besoin d'éclairer un grand espace, là c'est utile, mais là si je le tourne vers moi, vous voyez que je suis complètement cramé, c'est pas du tout comme ça que ça s'utilise. Et si je descends tout ça, si je le mets plutôt autour des 20-15%, vous allez voir la différence. Voilà, vous voyez que j'ai quand même une lumière beaucoup plus soft. C'est toujours pas ce qu'il faut, hein. Je suis beaucoup trop près de la source, mais ça vous donne un aperçu des différences qu'il peut y avoir. Ensuite, et je vous le disais en début de vidéo, le gros avantage, c'est que l'on va pouvoir modifier la température. On descend à 3000 Kelvin et on monte jusqu'à 5600, ce qui est parfait si vous voulez définir votre éclairage pour une lumière du jour, ou au contraire une lumière plus chaude par exemple, pour que ça matche avec l'éclairage déjà existant dans la pièce où vous tournez, où vous avez d'autres sources de lumière chaude comme un feu de cheminée, ou tout simplement des ampoules classiques. C'est vraiment très pratique d'avoir cette flexibilité, chose que l'on n'a pas sur des lumières entrée de gamme. Enfin, comme possibilité d'alimentation, on peut tout simplement la brancher à une prise secteur, ou bien la faire fonctionner sur des batteries Sony NPF. On peut monter au dos un double slot sur le panneau, ce qui est très pratique pour un tournage en extérieur, ou si on n'a tout simplement pas de prise de courant dans la pièce où l'on tourne. Et pour finir, on a une petite antenne qui va permettre la communication entre plusieurs lampes pour les contrôler simultanément à distance. Donc voilà ce que j'utilise pour l'éclairage de mes vidéos depuis quoi? Allez, maintenant un mois environ, et j'en suis très satisfait, ça correspond parfaitement à mes besoins, à ce que je recherchais pour éclairer mes vidéos. Mais voilà, je vous le dis, c'est quand même un budget, un éclairage comme celui-ci, ça coûte tout de même 600 €, mais c'est tellement pratique, tellement important, plus important peut-être qu'une caméra, que ça en vaut la peine. Donc si vous avez un peu de budget lumière pour vos vidéos et que vous avez envie de vous équiper, bah comme d'habitude, vous avez le lien en description de vidéo. C'est du super matos que je peux que vous recommander, surtout si vous avez très peu de place là où vous tournez. C'est tellement pratique et c'est du solide, c'est fiable, ça va durer dans le temps. De la bonne lumière, ça reste de la bonne lumière, c'est pas comme les caméras qu'on a besoin de changer régulièrement. Voilà, gros coup de cœur pour ce début d'année 2018. Et ben vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut !